Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est mercredi, du coup, je rentre du travail. Je suis allée prendre une bonne douche d'abord parce que on a un... On va dire que au travail en ce moment, c'est plein à craquer et du coup, il y a pas mal de choses à faire aussi parce que voilà, il va y avoir un contrôle bientôt. Donc, du coup, c'est des semaines assez intensives qu'on a là. Et donc là, j'ai. Transpirer ma mamie, donc je vais aller prendre une douche, ils sont en train de sécher, ça ressemble à rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là le vlog du coup de la semaine dernière est en ligne. Là du coup je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je vais aller lire un peu, me faire à manger, et aller faire dodo, parce que cette journée elle m'a crevée. Avec le monde plus tout ce qu'on a à faire, tu veux dire bonjour? Donc du coup voilà, mais ouais, ça a été une journée compliquée. Demain ça devrait être plus calme parce que c'est moi qui gère le terrain, je suis pas de second, donc du coup je ferai moins de choses que j'ai fait aujourd'hui. Donc du coup voilà, du coup nous on se dit à demain, bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, non samedi. On est samedi du coup, je suis en week-end aujourd'hui et demain, j'ai travaillé vendredi soir du coup. Donc voilà, là ce matin, je me suis occupée de mon jardin, j'ai désherbé tout ce que je pouvais, une bonne partie. Demain, je pense que je continuerai parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a une rangée d'arbustes ou de fleurs, je sais pas ce que c'est, qui est là, sauf que du coup, ça a commencé à pousser les fleurs, on les voit. Et là, ça fait depuis dès que je sens, en fait, j'éternue, c'est une horreur, donc du coup, bah... Pioum! On va les enlever. Donc du coup voilà. Regardez si c'est toi l'intérieur. Je sais pas si. Non, on verra pas. Mais du coup j'ai ma petite. Donc du coup voilà. Niveau lecture, je suis du coup toujours sur le plus doudé. Le plus cruel des pardons. Pardon. Qui est juste génial. Mais surtout aujourd'hui, j'ai reçu ma box. Unique. Ça a été compliqué parce que du coup j'ai complètement oublié, elle vient de l'étranger et ce n'est pas la poste qui me livre, c'est une autre société. Et donc du coup moi j'ai fait le changement d'adresse pour faire suivre mon courrier avec la poste, sauf que elle j'avais complètement oublié que du coup il ne le savait pas à Illumicrate. Et du coup je m'en suis rappelée que quand ils m'ont envoyé l'email, comme quoi il était parti, donc du coup j'ai dû appeler la société et autres et donc du coup ils m'ont mis en relais. Donc je suis allée la chercher tout à l'heure et donc du coup c'est les voleurs. Ce mois-ci, elle est belle, hein? J'aime beaucoup. On va voir ce que ça donne du coup. Hop. Alors, on commence par. J'ai pas de ciseaux avec moi, j'espère que je vais y arriver. C'est bon. Hop là. Parce que du coup j'en ai déjà un de chez eux, qui est juste magnifique, qui du coup était pour les sociétés secrètes, si je me souviens bien. Il est magnifique. Ah, il est vide à l'intérieur. Je sais que l'autre que j'utilisais comme pot à crayon aussi. C'est hyper pratique. Et puis c'est mignon sur un bureau. Donc voilà, j'étais contente. Oh. Oh là là, A Song to the Spirit. Oh, je sais pas si vous arrivez à voir là. Elle est belle, hein? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour mettre en 3D, j'ai l'impression. C'est ça, en fait du coup on découpe et donc du coup après ça se met en 3D, c'est une sorte de puzzle en fait. D'accord. Avec la notice. On va voir ce que ça donne. C'est rigolo, je connaissais pas. C'est que du coup en fait vous voyez là, c'est
avec le dessin. Et derrière, du coup, c'est vierge. Et du coup, il faut que je mette ce que moi, je vais faire. Elle ressemble beaucoup à Esmeralda, honnêtement. Vous ne trouvez pas? Celle de, du coup, du possible Notre-Dame de Disney. Je trouve qu'elle lui ressemble énormément. Donc, je suis impressionnée. Ensuite. Oh, c'est un album photo. Stories are a way to visualize oneself. To be remembered and to forget. J'aime beaucoup la couverture. Oh, puis alors c'est pour mettre des grandes photos, vous voyez, c'est pas coupé entre les deux. C'est vraiment pour mettre des grandes photos, ou même des illustrations qui... Je sais pas si les illustrations qui donnent pourraient rentrer dedans. Mais du coup, je vous montre quand même le devant. Il est super beau, franchement. Impressionnant, magnifique. Et du coup, après, nous avons... Oh, nous avons des marque-pages. J'en ai plusieurs. 2, 3. J'en ai 5. Ils sont magnifiques. Je sais pas si du coup ça va avec... Du coup, c'est... Oh, c'est du bouquin. Gilded Wolf. Le bouquin que j'attends depuis quasiment 6 mois qu'il sort en français. Parce que ça fait un moment qu'il est... mis sur BookNode et qu'il met comme quoi c'est censé être de Saxis qui les sort. Depuis le temps que j'attends, je sens que je vais arrêter d'attendre et je vais le prendre en français parce que j'attends depuis un moment. A Portrait of Teeth, du coup le portrait d'un voleur. We could hear the sirens, they sound like France. Oh, oh. Oh, par contre j'aime beaucoup le... Alors, du coup, ça, vous voyez, c'est la jaquette, c'est l'intérieur, qui est magnifique. Et ça, c'est le bouquin, avec des tigres en relief doré. J'adore. Je vous mettrai un résumé. Par contre, du coup, je viens juste de feuilleter. Il doit y avoir plusieurs... c'est sur plusieurs personnages qui parlent en même temps, parce que du coup, il y a des noms différents au niveau des chapitres. Il y a Lily... Il y a Irène, donc ça doit être une bande de voleurs à mon avis. C'est ça. C'est une bande de voleurs et donc du coup on voit au fur et à mesure. Mais j'aime beaucoup la jaquette, vraiment. Ça fait très webtoon aussi un peu, très réaliste. Donc franchement elle est très belle. Je suis à la limite de la retourner. Parce que je préfère limite l'intérieur que l'extérieur. Mais il est magnifique. En vrai, il est tout bleu. Il donne plein de couleurs. Parfait pour l'été qui vient. Je pense que je vais me garder pour cet été. Parce que il est magnifique. Après, les marque-pages, franchement, ils sont d'un bouquin que je n'ai pas lu. Et j'attends depuis des mois et des mois de pouvoir le lire. J'attends que ça. Sortent enfin en français parce que mon dieu. Et donc du coup le mois prochain c'est mai que je recevrai, je continue, donc le thème c'est In the Dark du coup. Et donc du coup ils mettent que le bouquin sera un de Holly Black. Oh, trop bien, déjà on commence beaucoup très fort avec ceci parce que ça va être génial. Et donc, du coup, il y aura Nevernight en goodies, Monstress and Daughter of the Moon Godness. Oh! Et il y aura aussi la tasse avec la soucoupe pour continuer, du coup, la collection de la mythologie grecque. Ça, j'adore. Depuis le temps que je les adore. J'ai trop hâte. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça donne, honnêtement. Mais honnêtement, là, ce que je... Je suis fan du coup bouquin pour mettre les photos. Donc je vois du coup ce que c'est comme taille pour pouvoir les mettre. Parce que du coup je pourrais soit mettre les miennes, soit voir si des illustrations qu'on a eues dans les box elles rentrent. Et des marque-pages qui sont juste géniales, qui sont superbes.
Mais voilà, du coup, ça sera le unboxing du mois. Sauf si j'achète encore plein de bouquins, mais il y a peu de chance. Et du coup, voilà, là je vais aller lire un peu, boire mon thé. Et puis nous, du coup, on se dit à demain. Et je vous souhaite un bon samedi et du coup un bon week-end. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on est mercredi, il n'y a pas eu de vlog du tout de la semaine dernière. J'ai filmé 15 jours, dimanche, c'est un haul. Du coup, je vous le mettrai, je sais pas quand, mais je vous le montrerai du coup. Mais voilà, donc là, je peux pas trop vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui, puisque du coup, c'est la vidéo de lundi. Donc si je vous dis maintenant, ça spoil tout. Donc du coup, voilà. Mais j'ai bossé, et donc je suis sortie. Après le travail, du coup, je suis allée acheter les bouquins. Et donc du coup, je suis allée chercher celui-ci. La princesse sans visage, un que j'attendais impatiemment. Franchement, je m'attendais à un plus gros livre. Donc voilà, ça va, il fait 380 pages. Et vous voyez, c'est un livre 1, donc il doit y avoir plusieurs tomes. Donc du coup, voilà. Et j'ai enfin reçu, il l'avait enfin reçu, Le Fils de l'Infini. Parfait, du coup, qui va du coup dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais manger, j'ai commandé une pizza, donc je vais la manger. Je vais lire, je vais continuer. Je suis toujours sur Le Plus Cruel des Parents. J'ai eu un peu de mal à lire ces derniers jours, mais voilà, là, je vais m'y remettre. Donc du coup, voilà, je suis trop contente. Mais du coup, voilà, j'ai trop hâte de vous montrer lundi ce que j'ai fait, parce que en même temps, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. Franchement, je stressais trop. Mais du coup, ouais, ça devrait bien se passer. On verra bien. Mais du coup, nous, du coup, on se retrouve demain matin. Parce que je travaille demain soir. Je fais deux soirs là. Je travaille vendredi, samedi. Je travaille pas samedi, dimanche. Je travaille jeudi, vendredi. Je travaille pas samedi, dimanche. Je suis en week-end. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, nous, on se dit à demain, jeudi. Bye. Coucou, bisous. Coucou tout le monde. Du coup, on est dimanche. J'ai fini ma aventure, tout ce qu'il faut pour du coup la vidéo de demain pour ma bibliothèque, donc je suis trop contente, j'ai hâte de voir. Je sens que le montage va être compliqué, mais voilà. Mais là du coup, avant de commencer à monter, j'ai envie de juste me poser parce que du coup j'ai pas beaucoup lu. Donc j'ai fini un bouquin, j'ai fini Le Plus Cruel des Pardons, c'est fait, sauf que du coup je sais pas si je commence un bouquin audiolible ou si du coup je commence celui-ci, Les Enchanteresses. Et audiolible, du coup j'ai vu qu'il y avait Le Secret du Faucon. Donc je l'ai déjà lu. Voilà, ça c'est clair et net. Mais du coup, en fait, je sais pas si je me lance dans un livre que j'ai déjà lu ou que j'avais envie de lire mais que j'ai pas eu le temps et que je le prends en audio. Après, j'ai peur que de pas aimer. Donc du coup, voilà. Donc je sais pas si je commence du coup par Le Secret du Faucon. Voilà, ou pas du tout. Donc faut que je vois ce que ça donne ou pas. En tout cas, le commentaire qu'il y a dessus me dit qu'en quoi c'est plutôt agréable à entendre. Donc là, je vais voir. Et je crois qu'il y a il y a 10 heures d'audio, un truc comme ça. Donc du coup, voilà. Je pense pas que je ferai une vidéo juste pour ça. Par contre, du coup, si je le commence là, il faut que je vous en parle dans mon blog, que je vous dise au fur et à mesure où j'en suis, ce que j'ai aimé ou pas. Donc du coup voilà, donc là j'ai fini du coup le montage pour la vidéo Read With Me, elle est en ligne, c'est bon. Et puis là après je vais me poser, lire un peu, j'ai un peu le temps parce qu'il est même pas midi, 14h, il est 14h n'importe quoi. Et du coup je vais me poser jusqu'à 17h, 18h, puis après je vais faire mon montage toute la soirée je pense, et puis voilà. Ça sera, on se verra peut-être pour le montage, faut voir ce que ça donne ou pas. Du coup, on se dit soit tout à l'heure, soit demain. Et puis ben, demain, vous aurez, ou tout à l'heure, du coup, vous saurez ce que j'ai lu. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, nous sommes vendredi soir. Je ne travaillais pas aujourd'hui. Du coup, j'en ai profité pour faire une journée solo. Et donc, du coup, je suis partie à La Rochelle, donc à la plage, toute seule, toute la journée. Donc, j'y étais dès 10h et donc là, il est 20h. Je viens de rentrer, donc voilà, ça fait du bien. Et pour une fois, vous voyez, j'ai pas beaucoup de soleil. J'ai acheté ça, là. J'ai acheté cette année une nouvelle crème solaire. J'ai acheté la rosée cosmétique et j'ai acheté donc le lait. J'ai acheté le stick que je pouvais mettre sur le visage. Oh, c'est une tuerie. Et pour une fois, franchement,
Je suis hyper choquée parce que normalement, dès que c'est pour ça que j'aime pas forcément non plus. J'aime aller à la plage, mais ce que je déteste en plus, c'est qu'à chaque fois que je reviens, j'en ai pour une semaine de coups de soleil où je peux rien porter tellement j'ai mal. Donc là, franchement, je suis hyper contente. Et puis, il faisait beau en plus, donc c'est pas comme s'il pleuvait ou il y avait des nuages ou autre. Donc en vrai, voilà, j'ai passé une bonne journée et du coup, j'ai passé une bonne soirée, j'ai bien dormi parce que du coup, j'ai pas de coups de soleil. Ça fait un peu dans le dos, mais du coup, c'est compliqué de mettre de la crème solaire partout, toute seule, dans le dos. Donc j'ai juste une bande. Mais voilà, je suis contente. Et du coup, pendant que j'y étais, j'ai quasiment fini, vous voyez. Il me reste une centaine de pages des Fils de l'Infini. Et franchement, là, on rentre dans le vif du sujet. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se finir parce que oh, il est juste génial. Et l'univers, franchement, est impressionnant, hyper riche. Et j'aime beaucoup. J'ai hâte. Vraiment hâte de voir. Et puis du coup aussi de que le 2 sorte, parce que là c'est forcément un tome 1 vu comment c'est parti. Donc du coup voilà. Mais ouais, là je vais aller manger un peu parce que j'ai faim. Du coup je vais finir mes 2-3 trucs que j'ai à faire. J'ai lancé des machines, donc je vais tout étendre et puis manger, regarder un petit peu la télé ou lire, je ne sais pas encore. Et puis oui, mademoiselle. Puis je vais aller me coucher. Voilà. Et donc, du coup, nous, on se dit à demain. Je serai encore en week-end, du coup, demain samedi. Bye bye. Coucou. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est samedi soir. Là, normalement, je devrais être au lit depuis un moment. Il est 23h30. Normalement, j'essaie de me coucher assez tôt quand je travaille le matin. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un peu fait la bêtise de. J'ai voulu continuer mon audiobook. Voilà, j'écoute. Oh, je sais plus. Le secret du faucon, voilà, de Martel. Donc, je me le suis mis et puis je me suis assise dans le canapé. J'étais avec mes chats, du coup, on faisait des câlins. Et là, très grosse erreur. Parce que du coup, je me suis endormie. Mais comme il m'a su, et j'ai dû faire. J'ai fait le matin. Donc en plus je m'étais levée, donc j'étais réveillée, j'avais bien dormi et tout. J'avais pris mon thé, mon petit déj, donc il devait être 10h quand j'ai commencé. Je me suis réveillée, il était 13h30, donc je sais même pas si on peut appeler ça une sieste quand c'est 3h. Du coup j'ai arrêté, j'ai fini Le Fils de l'Infini, j'ai commencé un deuxième bouquin du coup. J'ai commencé, si je vous montre juste ça, ça sert à rien parce que du coup la couverture est cachée. Des sangs et d'écume et de glace, la tome 2. Et puis du coup, j'ai voulu recommencer, donc j'ai remis un peu en arrière mon audiobook pour le recommencer. Et du coup, je me suis mis dans le jardin parce que j'avais 2-3 trucs à faire. Donc j'en ai profité avec l'audiobook, du coup j'ai pu rattraper un peu ce que j'avais perdu. Après, je suis revenue, j'ai pris une glace, je me suis assise dans le canapé avec mes chats et je me suis rendormie encore. Pour me réveiller à 19h tout à l'heure. Voilà. Autant vous dire que du coup là je ne suis absolument pas du tout fatiguée. Il faut que j'aille me coucher parce que demain je travaille du matin en dimanche et là je sens que la nuit va être compliquée parce que là si j'arrive pas à m'endormir assez rapidement je vais faire une nuit blanche et ça va faire très mal demain au travail. Donc je pense que je vais abandonner les audiobooks. Ou alors, il va falloir que je continue à l'écouter pendant que je fais autre chose, genre mon ménage, mon repassage. Tout en fait, sauf m'asseoir dans le canapé et l'écouter. Parce que, ni mettre dans mon lit. Parce que alors, sinon je vais m'endormir. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que j'ai fait une sieste du coup de 3 heures à mon ami. C'est que du coup, en fait, il ne soit pas coupé. Vous savez, sur YouTube, quand vous mettez une playlist, il vous demande toujours si vous êtes encore là. Parce que si vous n'êtes plus là, du coup, il le coupe et il le met en pause. Donc, je ne sais pas au bout de combien de temps ça le fait, mais ça doit faire une heure, un truc comme ça. Sauf que là, du coup... Pardon, ça ne demande pas du tout. Donc, du coup, honnêtement, je sais pas, je sais hein, plus ou moins hein, les dernières choses que j'ai entendues. Je m'en souviens, mais
c'est compliqué à revenir en arrière, à rechoisir, à être sûr ou autre. Surtout qu'en plus, j'ai choisi un bouquin que... Est-ce que c'est aussi parce que j'ai choisi un bouquin que j'ai déjà lu? Je sais, honnêtement, je sais pas du tout. Donc du coup, là, je suis complètement perdue. Je sais pas quoi faire avec ça. Parce que j'ai envie de le finir, quand même. Surtout que, franchement, faut être honnête, ils ont super bien choisi la dame qui le lit, parce que c'est hyper intéressant. Mais du coup, je sais pas. Je pense qu'il faut vraiment les lire quand on fait autre... Les lire. Les écouter quand on fait autre chose. Je pense que c'est très bien quand on est, par exemple, dans le métro, qu'on va prendre le bus ou autre. Mais là, ouais, il faut que je le fasse en faisant autre chose, je pense, parce que sinon... Je vais m'endormir constamment, je vais jamais réussir à aller jusqu'au bout du bouquin, donc voilà. Bon, alors c'est tout simplement pas fait pour moi, c'est tout simple, parce que du coup, quand j'ai du mal à m'endormir ou autre, quand je suis fatiguée, je mets toujours 2-3 vidéos avec de la musique, donc, avec des flûtes de bambou, la musique celtique un peu, voilà, j'écoute toujours ce genre de trucs quand j'ai du mal à dormir. Est-ce que c'est parce que c'est plus ou moins pareil, ou alors est-ce que je continue quand j'ai besoin de dormir, voilà, j'écoute et puis ça m'endort tout simplement. Est-ce que je vais pas aller faire ça? Tiens, peut-être que ça va marcher, ou alors pas du tout, du coup je vais écouter tous les chapitres, je vais finir le bouquin. Donc du coup, voilà, là, voilà, je suis un peu perdue. Donc, est-ce que après c'est pas aussi le contre-coup du coup de la journée hier que j'ai passé complète à la plage qui m'a peut-être un peu épuisée parce que bon, je suis une grande enfant. Donc du coup, voilà, je sais pas, j'allais me coucher, je vais prendre mon bouquin avec moi. Même si j'ai un peu peur parce que là pour le coup, je suis à fond dedans, je l'adore, je sens que si je l'emmène avec toi, avec moi, il y a des chances que je l'emmène... jusqu'au bout de la nuit, que je le finisse à 4h, 6h du matin ce matin, que je fasse une nuit blanche, et c'est absolument pas l'objectif, donc du coup, voilà, là je sais pas du tout quoi faire. En plus, cette semaine j'ai fait plusieurs insomnies, donc si je fais une nuit blanche ce soir, ça va être une horreur pour commencer la semaine. Donc du coup, voilà, plein de questions. Voilà, je suis pas trop parfaite. Mais bon, du coup, nous, on se retrouve demain dimanche. Et puis, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Bye. Coucou. Vous m'en voulez pas? C'est mal poli, hein. De parler la bouche d'une parent. On voulait pas, j'ai pas eu le temps de manger. Donc là, il est... Du coup, nous sommes dimanche. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Il est 21h, je ne filme que maintenant parce que du coup nous avons eu un énorme orage ici avec de la pluie, de la grêle et tout. Et en fait, j'étais en train de. Donc j'avais fini de tourner la vidéo pour demain, donc c'était bon. Mais j'étais en train de faire mon montage et même avec les écouteurs, j'entendais pas tellement ça résonnait en fait sous la véranda. C'était impressionnant. Donc du coup, j'ai fait autre chose, j'ai essayé, donc j'ai préparé la vidéo pour lundi prochain, qui du coup c'est les sorties livresques. C'est franchement, c'est les vidéos que j'aime le plus faire, je les adore. Donc du coup voilà, j'ai commencé à la préparer, j'ai sorti, j'ai fait la liste et tout, donc du coup voilà. Mais du coup, quand c'est arrêté, j'ai fait le montage, parce que du coup, comme je suis dans la véranda, je suis assez loin du coup de la box, il va falloir que d'ailleurs je règle le souci. Et donc du coup, l'importation et tout, c'est hyper long, franchement, par rapport à quand j'étais dans l'appartement. Là, depuis que je suis là, c'est là que je me... Franchement, ça me perturbe. Pourtant, j'ai la fibre. Hein. Je perds plus... Attention. Non, j'ai la fibre, j'ai gardé. Mais je sais pas, voilà, mais je suis en wifi. J'ai un PC portable, donc voilà, faut que je mette un... Comment on appelle ça? Un rebooter wifi? Ou un amplificateur, bref, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais aller en boutique, ils vont me le vendre, je vais me l'acheter. Je suis une vraie pigeonne quand il s'agit de ça, honnêtement. Quand il s'agit d'informatique, ou même d'électroménager, enfin n'importe quoi, je n'y connais rien, donc je fais confiance. La dernière fois, j'ai voulu changer mes essuie-glaces, je sais pas quoi prendre. Donc du coup, je vais à feu vert, c'était feu vert. J'ai bien changé mes essuie-glaces, ils me disent c'est quoi ma voiture, j'ai dit c'est une Toyota... hybride. Ils m'ont demandé la marque, donc je leur ai dit.
Ils m'ont dit ok, donc ils me les vendent. Et je dis ouais, non, mais moi je sais pas les mettre. Et genre, le gars, il m'a regardé, genre oui, je dis bah, si vous voulez, je prends rendez-vous, hein, mais moi il faut me les mettre, hein, je sais pas faire. Donc j'ai payé pour qu'ils puissent les mettre. Bref, je suis une vraie pigeonne. Voilà, pour tout ça, pour dire que bah, s'il me dit qu'il faut acheter ça alors que c'est pas ça, bah, j'achèterai parce qu'il m'a dit que c'est ça. Quoique, comme c'est de l'informatique, à la limite, je te montrerai mon petit frère qui fait du code. Attention, je rigole. Je sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il fait des lignes blanches sur un fond noir. Je sais que c'est comme du code, mais après, je serais incapable de dire exactement ce qu'il fait. Donc voilà, je lui demanderai à la limite ce qu'il faut que j'achète. Faut que j'ai du wifi dans ma véranda. Et il me dira quoi faire. Donc du coup, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. On a eu personne. On a eu personne, nous, ce midi. Je pense que c'est ce soir qu'ils vont avoir du monde. Ils vont se faire démonter. Voilà, c'est comme ça qu'on est, nous. Ils vont se faire éclater la gueule. Du coup, voilà. Je travaille demain matin. Demain matin, nous sommes lundi. Nous avons une livraison. Super. J'adore les livraisons. Ça me fait, c'est mon sport de la semaine. Parce qu'on doit décharger du camion. Entre 2 et 4 tonnes, ça dépend des jours, mais voilà, ça fait les bras, ça fait les muscles, ça m'évite de payer une salle de sport, tout simplement. Donc du coup, voilà. Mais du coup, avec tout ça, j'ai pas encore eu le temps de dire, donc là, je vais finir de manger. Juste des pâtés du brouillard, rien d'exceptionnel. Juste ça, et je vais continuer du coup de sang, du fumée de glace. Et du coup, j'en ai profité aussi pour mettre un peu à jour... mon challenge, voir où j'en étais. Challenge du mois de la composite, puis du coup, ma chine est tombée sur la feuille. Crop. Voilà. Et donc, du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 bouquins à lire. Sachant que, du coup, j'ai arrêté l'audiobook. C'est fini. Ça, pour moi, c'est pas fait pour moi, donc j'ai arrêté. Je suis en train de lire 200 d'écume et de glace, donc je ne l'ai pas compté, Mais du coup, la prochaine lecture, ça sera Souveraine, sûre. En vrai, le seul que je ne suis pas sûre de lire, c'est Le Prioré de l'Oranger. Pardon. Celui-ci, parce que honnêtement, on m'intéresse déjà pas beaucoup. Alors, je l'ai pris en poche et c'est une partie 1 et une partie 2, je ne sais pas du tout. En plus, il y a des chances que pour finir mon challenge, je le mette de côté. Donc du coup, voilà, donc il me reste 8 jours pour le finir. Ça fait short, hein. Et puis ce qui me reste, c'est pas des petits bouquins, c'est des gros bouquins. Donc ça va être... je pense que je vais pas réussir à le mettre, à le finir en entier cette année. Je suis un peu triste. Mais bon, on verra qui sait, si ça se trouve, je pourrais m'en sortir, hein. Un élan de lecture où j'enchaîne des bouquins. Après, on va éviter, parce que avec la nuit blanche que j'ai fait hier déjà... Là, je vais pas me coucher trop tard, 23h au lit mémé et puis basta. Donc, voilà, j'attends juste ma vidéo est en train de s'emporter et se met en traitement acheté. Puis après, dès que ça c'est fait, je pourrai aller me mettre dans le salon et je vais aller lire. J'ai eu l'impression de lire. J'évite de lire quand je mange les pâtes parce que comme vous avez vu, j'en ai mis sur mon cahier déjà. Donc j'aimerais éviter d'habiter mes bouquins. Normalement, quand je fais ça, je regarde un épisode d'une série. Alors, en plus, là, avec Stranger Things qui a été annoncé, je me refais toutes les saisons. Du coup, normalement, je mange en regardant ça. C'est pour ça que je lis un peu moins aussi. Alors que c'est pas du tout le moment pour commencer ça, mais voilà, c'est juste. Bah voilà, c'est Stranger Things. Et... Donc bon. Donc du coup, nous, on se dit à demain. Avec la sortie de la vidéo. Et puis du coup, je travaille pas mardi. Et mercredi, je travaille, mais je travaille du soir. Je fais la fermeture. Donc du coup, on se dit à demain. Bye bye. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, mardi, je me suis coiffée hier soir. Ça ressemble à rien, j'espère. Donc du coup, voilà. Et du coup, je vous fais tôt le matin. Je suis en train de prendre
monter. Parce que du coup, aujourd'hui, je vais au resto cet après-midi avec une très bonne amie. Après, je vais voir ma famille. Donc, du coup, je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. Donc, du coup, voilà, au moins comme ça, je sais ce que, plus ou moins ce que j'ai fait. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis toujours en train de lire de sang et d'écume des glaces. Et honnêtement, franchement, c'est... ce bouquin, j'adore toujours autant. Franchement, c'est, ça a beau être un tome 2, on n'est absolument pas sur un tome, vous savez, entre, entre deux phases ou qui est lent ou autre. Pas du tout, franchement, c'est, on y a de l'action et tout va, donc je suis trop contente. Franchement, j'adore ce bouquin. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, je sais pas trop ce que je vais lire après parce que j'arrive quasiment à la fin. Faudrait que je lise Souveraine. Ou que je finisse Red Queen de tome 2 aussi. Donc faut que je vois. Puis après il y a Three Dark Crown aussi que je dois lire. Donc, et puis je laisse celui que j'ai en moins envie de lire pour la fin, c'est-à-dire Le Prieuré de l'Oranger, que je n'ai absolument pas plus envie que ça de lire. Donc bon, on verra. Mais oui, pour le moment, ça va, je m'en sors plutôt bien de mon... challenge du mois de la fantaisie. Il me reste moins de 10 jours. J'espère que ça devrait réussir. Je devrais réussir au moins en lire 3. On verra. Mais du coup, bah, nous, bah, c'est la fin de la semaine de vlog. Là, il y aura 15 jours. Parce que du coup, avec la peinture que j'ai fait la dernière fois et tout, j'ai vlogué, mais pas tant que ça. Donc, du coup, voilà. Je pense que, et puis, je pense que c'est ce que je vais aussi faire. Enfin, bon, je vous. Non, on sera ça dans la nouvelle semaine. Allez, du coup, et moi je vous dis à demain mercredi. Bye bye!